Dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au mission editor de DCS, on va s'intéresser cette fois-ci à, à un pavé que, qui intéresse vraiment beaucoup de gens, à savoir le spawn respawn d'unité. Donc sans plus attendre, on va foncer sur l'éditeur de mission. Je vais charger euh, la mission actuelle sur laquelle on bricole. Et voilà, je vais intégrer un petit, Je vais mettre un peu d'éléments de contexte. Donc pour spawner ou respawner des unités par défaut dans DCS, ce n'est pas prévu. Comme j'avais dit dans des vidéos précédentes, on va servir de librairie euh, ou de script pour euh, étendre les capacités, pour donner de nouvelles commandes, prévoir euh, enfin intégrer des choses qui n'avaient pas été prévues par le jeu à la base. C'est le cas avec le fait de spawner ou de respawner des unités. Donc je rappelle, il y a deux librairies principales qui permettent ce genre de choses, Moose et MIST. Dans le cas présent, je vais utiliser Moose parce que j'ai plus d'affinité avec euh, la librairie Moose. Comment ça va comment ça se passer Là, on va se faire un petit scénario. On va mettre une unité sur la piste de Batumi. On va... Je vais vous montrer un petit peu le, le, la partie de la commande, comment ça se passe. Et on va, euh, pour tester tout ça et montrer que ça fonctionne bien, on s'amusera à faire exploser le Charles Leclerc pour constater qu'il réapparaisse bien derrière. Donc voilà. Pour euh, pour la mission, j'ai installé euh, une unité euh, sur la piste euh, que j'ai appelée ma super unité. Donc c'est le groupe hein, que euh, ma super unité. Le nom du pilote euh, cohérent avec ce que je fais d'habitude, qui est le nom du groupe euh, tiré 1 pour euh, première euh, première unité dans le groupe. Et je mets en nom de waypoint 0 toujours le nom du groupe. Pour que visuellement sur la carte je puisse le retrouver je rappelle c'est des convenances personnelles alors ne pas oublier pour tout ce qui va être avec moose sur spawn respawn d'unité il va falloir que toutes les unités tout le, enfin, unité ou groupes tous les groupes qu'on va poser au sol soient absolument en activation retardée sans ça ça fonctionnera pas donc maintenant qu'on a vérifié que le paramètre était bien mis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller euh, directement sur les déclencheurs et on va aller, on va aller voir la partie déclencheur. Donc j'ai laissé en place un déclencheur que j'ai mis juste euh, pour préparer cette vidéo. Je l'ai appelé spawn. Pareil, vous mettez ce que vous voulez. Le but, c'est de pouvoir le retrouver dans la liste des déclencheurs. En condition pour l'exécuter, j'ai mis temps supérieur à 2 secondes. Pourquoi temps supérieur à 2 secondes J'aurais pu très bien mettre à rien du tout ou 20 secondes. Simplement parce que la librairie Moose, je la charge au bout d'une seconde et je veux être sûr qu'elle soit bien chargée. Je rappelle, cette commande-là, cette action, cette fonction, ne fonctionne que si moose est chargé. Donc je charge Moose et j'attends un tout petit peu, histoire d'être sûr que Moose soit bien chargé. Donc au bout de 2 secondes, elle devrait être chargée correctement, normalement. Et je vais aller sur exécuter script dans la liste. Et j'ai collé. Euh, j'ai collé euh, un bout de code. Alors, le bout de code, je vous le mettrai en les commentaires. Euh, je l'ai euh, un petit peu euh, morcelé, ce petit bout de code, de façon à ce que, euh, en termes de lisibilité, étant donné que l'encadré il n'est pas grand non plus, euh, en termes de lisibilité, pour que ce soit un maximum lisible et le plus facile possible. J'ai ajouté également des commentaires en face de, de chaque partie de la commande, de façon à avoir des infos sur, sur les, les parties de la commande. Donc le premier élément notable de, de cette commande pour spawner ou respawn des unités, ça va être le, le, nom, le nom de, de l'objet de, de la fonction. Enfin, je reste vague et simple exprès. Là on va donner un nom pour l'exécution de cette commande là, et à chaque nouvelle exécution de la commande, faudrait... Dans L'idéal donner un nouveau nom, donc là je l'appelais S1 pour spawn 1. Vous mettez ce que vous voulez à partir du moment où il n'y a pas d'espace et pas trop de chiffres à la suite. Là euh, j'aurais pu l'appeler euh, mon petit poney si j'avais si voulu. Voilà, donc je l'appelais S1. Si je veux en mettre une deuxième, je l'appellerais S2, etc. Enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà, faut enchaîner les, les, les titres de manière cohérente. Donc euh, je vais pas m'attarder sur les parties qui, euh, qui, qui sont enfin qui n'ont pas, pas plus d'intérêt que ça. Là, dans cette partie-là que j'encadre je, que je, que tout de suite, j'ai euh, le, le nom du groupe qui va servir de modèle. Donc là, le groupe que j'ai posé sur la piste, je l'ai appelé ma super unité. Donc je l'ai repris et je le colle entre le, dans les parenthèses, entre les guillemets. Je rappelle, tout ce qui va être texte, ça va être forcément entre guillemets. En dessous, j'ai marqué en commentaire, nom du groupe. Voilà, activation retardée on, c'est pour le rappel. Ensuite, la deuxième partie de cette commande-là, ça va être init limite avec en paramètre deux de chiffres. Init limit, ça va être pour euh, limiter le nombre, euh, pour lui donner comme consigne le nombre d'unités qui va devoir spawner. Euh, spawner. J'explique plus, plus précisément. Le premier, comme, le premier paramètre, ça va être le, le, soit le nombre d'unités dans le groupe, soit le nombre, de, 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 le nombre de groupes. Enfin, d'unité, non, pas de groupe. Le nombre d'unités qu'on veut spawner. Je vais m'expliquer différemment. Là, j'ai un groupe, avec mon Charles Leclerc, un groupe de une unité. Donc, si je, le, si je veux spawner ce groupe-là, il faudra que je mette 1. Je veux en spawner 1. Si je veux en spawner 3 sur, sur le modèle de mon groupe où il n'y a qu'une seule unité, je mettrai 3. Maintenant, autre cas de figure, si j'ai un groupe de 4 Charles Leclerc, si je, veux les une seule fois, si je veux spawner ce groupe une seule fois, vu qu'il y a 4 unités dedans, je serai obligé de mettre 4. Si maintenant, je veux, euh, dans ce même, dans ce, ce même contexte, euh, spawner 2 groupes de Charles Leclerc de 4 unités chacun, je mettrai 8. Il y a un lien à, à garder. Voilà. Dans le cas présent, j'ai un groupe d'une unité, je veux spawner qu'une seule unité. Le deuxième paramètre, représenté par un zéro, ça va être le nombre maximum d'unités que je veux spawner au total. Donc Par exemple, ça peut être intéressant dans le cas d'un scénario de guerre, où, euh, admettons, dans une ville, il euh, y a des unités qui popent. Euh, je sais pas, moi, c'est les scénarios, on invente ce qu'on veut. Et il euh, y a un nombre fini, admettons, 10 unités maximum. Et bien là, dans ces cas-là, si, euh, voilà, je pourrais mettre 10 unités. C'est le nombre total. Ensuite, on va avoir le paramètre euh, init randomize position. Alors, celui-là, il est euh, true, donc actif. Après, moi, pour le désactiver, personnellement, pour désactiver les paramètres, les, les, les fonctions, je les mets en commentaire. Hein. Avec les deux tirés, ça le fait bien. Donc voilà, donc le, le premier truc qui va nous intéresser, c'est le 10. Donc là, euh, ça va être le, le rayon maxi dans lequel on veut que, la, que, le, que le Charles le clair y, euh, y spawn. Donc par exemple, là, ça va être 10 mètres. Le rayon maxi, c'est pour donner une position aléatoire sur le, sur le spawn de cette unité. Donc là, je veux que l'unité spawn dans un rayon maxi de 10 mètres. Et le deuxième paramètre, ça va être le rayon mini. Donc là, comment je dois lire ce truc-là C'est, euh, vu que la fonction, la, la fonction est activée, je veux que mon Charles Leclerc spawn... Entre 5 et 10 mètres de rayon, par rapport à la position initiale qui est représentée sur la carte. Je vais le glisser pour qu'on le voit, voilà. Donc en gros, je veux qu'il spawne entre 5 et 10 mètres. Ensuite, on va avoir « Init randomize Route ». Alors là, ça va être pour... Euh, si on installe des points de route sur notre unité, peu importe, naval, avion, etc., si on met des points de route... On va peut-être vouloir que l'aléatoire s'en mêle et euh, par rapport à la position qu'on a donnée sur la route, qu'il nous fasse une variante qui décale euh, aléatoirement euh, ce point de route. Donc ce point de route, quand on active ce fonction-là, ah ben là par exemple, dans le cas présent, euh, j'ai 50 km. 50 000 mètres. 50 km. Donc c'est-à-dire que sur les, points de route, euh, sur les points de route, il me déviera, il me changera le, la route de chaque unité spawnée de. 50 km maxi par rapport à la position initiale qui était placée sur la carte. Le premier paramètre, ça va être le, le waypoint à partir duquel on veut que cette fonction euh, s'exerce. Donc le waypoint 0. Le deuxième, là c'est un petit peu plus coton, c'est le waypoint auquel on veut ne plus appliquer ce fonction, mais compter à l'envers. Si je laisse 0... Le, la fonction va s'exécuter du waypoint 0 jusqu'au dernier waypoint. Si je mets 1, ça va être de la, de, du premier euh, waypoint, donc 0 parce que 0, 0 le premier, et jusqu'au dernier waypoint moins 1. Donc là, le, le, le 1, c'est le moins 1. En fait, il faut, faut compter ce paramètre-là à l'envers. Donc revenir en arrière sur les waypoints. Si je mets deux, ça veut dire qu'en gros je veux que la, la, la fonction s'arrête. Euh, deux waypoints euh, avant le maximum. Voilà, donc celle-là, j'ai laissé les commentaires, elle ne sera pas activée dans le cas présent, dans l'exemple présent. Ça je vais passer dessus, on s'en fout. C'est pour mettre des commentaires. Quand l'unité spawn. Donc on laisse pour l'instant. Euh, le delay je vais expliquer juste avant le spawn schedule avant. Euh, donc, spawn schedule, il y a deux méthodes pour spawner les unités euh, dans cette, euh, cette fonction, cette, euh, cette commande. Il va y avoir la méthode spawn, ici, que je n'ai pas activé parce que j'ai laissé les commentaires, pour spawner une seule fois. Il va y avoir, pour spawner et respawner à un intervalle de temps donné, on va avoir la, la fonction spawn schedule. Donc là, j'ai désactivé spawn on va utiliser, vu que l'exemple qu'on veut, c'est respawner une unité on va utiliser cette fonction-là. Donc le premier paramètre qu'elle va prendre, c'est le nombre de secondes au bout duquel on va respawner l'unité, une fois qu'elle est morte. Ou le groupe, hein, je rappelle, hein, le groupe. Si... Euh, petite, petite aparté, petite précision, euh, si mon groupe fait deux unités, tant que je n'ai pas désingué, tué les deux unités, elles ne vont pas réapparaître. Il faut que le groupe complet euh, soit décimé. Donc là... Au bout de 5 secondes, là ça, le temps est en seconde, c'est au bout de 5 secondes que si j'ai tué euh, mon Charles Leclerc, il va réapparaître. Le, le deuxième paramètre, avec le, le point 5, ça va être le taux de variation, toujours de l'aléatoire, euh, le taux de variation de ce, de ce premier paramètre. C'est-à-dire que là, ça va être... Euh, donc On demande à spawner et respawner euh, l'unité, après destruction. De, au bout de 5 secondes, plus ou moins 50%. C'est ça le point 5 en fait. C'est plus ou moins 50%. Donc maintenant, le delay. Le delay, ça va être pour activer euh, le, le chrono, le, le, la, la temporisation, celle-ci, dès le départ. Là, comme il est, comme il est désactivé car commenté, avec les deux tirés, il n'est pas actif. Donc, dès que j'arrive sur la carte, la, 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 le, le Charles Leclerc va arriver. Mais. Quand il sera détruit, il réapparaîtra au bout de 5 secondes, plus ou moins 5. Si j'active le delay, dès le début de la mission, il y aura, avant qu'il arrive, il y aura toujours ce 5 secondes, plus ou moins 5. Après, on met ce qu'on veut hein, en chiffre de, de temps, on peut mettre une heure hein, si on veut. Donc voilà. voilà pour les paramètres un peu de, de, de cette fonction de, de spawn et de respawn. Donc là, elle est configurée. Pour les besoins de l'exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, retourner sur la carte, on va installer. S'il veut bien, on va installer une, une zone. Voilà. On va installer une zone sur notre unité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'avec... Pour faire des explosions, de, à partir de, de l'éditeur de mission, pour faire des explosions, il a besoin d'une zone pour savoir euh, au centre de laquelle il a besoin de, de, de pouvoir générer l'explosion. Le jeu est construit comme ça, on ne peut pas passer outre. Donc là, je veux, pour le besoin d'exemple, de l'exemple, spawner un Charles Leclerc. Le faire sauter et respawner un Charles Leclerc dans un parimètre très proche de façon à ce qu'on constate que ça spawn bien et que ça respawn bien. Donc là, la fonction de spawn, elle est, elle est installée, elle est, elle est créée. On va recréer un, un nouveau déclencheur que je vais appeler Boom, pourquoi pas. Euh, je ne vais pas mettre de paramètres, enfin de, de, de consignes là, de ce côté-là et par contre, je sélectionne bien, voilà. Là je vais mettre explosion, je vais chercher le explosion. Je l'aime bien celui-là. Voilà, explosion. L'action explosion. Dans la zone, euh, donc la zone je l'ai appelée boom. Donc euh, c'est bien la, la zone qui s'affiche sur la gauche de boom. L'altitude, c'est l'altitude, on va laisser ça comme ça. Et euh, le volume, c'est le volume de l'explosion. Donc là, dans le cas présent, je vais peut-être augmenter un petit peu. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, plus c'est gros. Et euh, pour l'exemple qui, qui, qui va s'afficher là, ce sera pas mal. J'ai oublié une chose dans les règles de déclenchement c'est que je ne veux pas qu'au début de la partie, euh, ça explose tout de suite. Je veux avoir le temps de voir le Charles Leclerc s'installer, exploser, puis réapparaître. Donc là, je vais mettre une contrainte de temps. Je vais mettre une contrainte de temps et je vais mettre temps supérieur à 5, par exemple. Je vais mettre 5. Parce que là, on a vu que le spawn va s'exécuter se, qu'au bout de 2 secondes, histoire d'être sûr que la librairie soit bien chargée. Donc là, le boom, il va intervenir euh, au bout de 5 euh, secondes, donc ça fera 3 trois secondes, trois secondes après. Donc voilà, juste pour être sûr de que ce soit bien cadencé. Voilà. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour euh, faire une jolie explosion et voir un peu comment ça se passe. On se retrouve tout de suite dans la partie. Nous voici arrivés euh, dans le début de la mission, je l'ai mis en pause de façon à ce qu'on constate bien l'arrivée du char Leclerc, son explosion et la réapparition. Donc là, je vais enlever la pause et on va regarder. Ça va se passer assez vite parce que les temporisations que j'ai mises sont courtes. C'est parti. Donc le char est apparu sur la gauche. Il explose. Et on a une réapparition juste à côté. De la même manière, j'aurais pu installer une sorte de boucle de façon à ce que euh, l'explosion dans la zone soit systématique et que du coup, automatiquement, le char réapparaisse. Voilà ce que je peux vous montrer sur euh, le spawn et le respawn d'unités euh, grâce euh, aux outils euh, de la librairie Moose. Je vous remercie d'avoir regardé et euh, on se retrouve dans une prochaine vidéo.